Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre confiance se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, on est à Paris. Beaucoup d'abonnés m'ont dit va voir Ibra, va goûter le restaurant d'Ibra, va goûter le restaurant d'Ibra en live hier. Donc voilà, je vous ai promis que si j'ai le temps, j'essaierai. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai même pas 50 minutes. Donc je suis arrivé, j'ai envoyé un message à Ibra, je lui ai dit prépare-moi 3 burgers rapidos. Du coup il m'a préparé les burgers, il a géré, bien vu. Et du coup là comme vous voyez, dans son restaurant. Donc là on se retrouve avec le Milanello. Voilà, on va y arriver avec des patates douces. Voilà, là des patates fraîches avec l'origine, original, classique. Voilà. Et là, et celui-là, mexicain. Le mexicain. Allez, donc, monsieur. Je vais goûter. D'abord, attends, skip, il faut mettre les gants. Eh ouais, ma gueule. Avec des abonnés comme ça, eux, ils diront ce qu'ils en pensent aussi. Hein? Non, ça va. Ah, c'est bien. Let's go. Bon, bismillah, on va y aller, mais il faut pas oublier que toute la journée à Paris, j'étais avec McDo, donc j'ai bouffé comme un goinfre. Je vais d'abord goûter un truc, les patates. D'abord goûter ça. Elles sont bonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais goûter un truc. Les patates douces, tiens. Elles sont bonnes. Je vais goûter la patate douce. Ça va. C'est la première fois que je goûte des patates douces comme ça. Ça rend frit, moi aussi. C'est la première fois, moi. C'est bon. Ouais. Ça, c'est bon. Maintenant, on va passer au burger. Et je vais pas le finir parce que j'ai trop mangé aujourd'hui. Donc, toi, tu goûtes le Mexico. Ouais. Avec l'œuf, putain, il y a l'œuf et tout. Voilà, c'est grave bon. Le mexicain, je kiffe. Avec l'œuf, super bon. Milanello, c'est ça? Milanello. Milanello. Alors celui-là, il y a une sauce là, je sais pas c'est quoi. Il y a un œuf aussi, je crois. Ça jute. Hein. J'essaie de trouver le goût du truc vert, mais... C'est pas du poivron? Ça, c'est du pesto. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais. Du pesto, je crois. Ah, bah oui, si, c'est ça. On met tout ça à deux pages, quoi. Et le classique, maintenant? Le classique. En tout cas, pour l'instant, on est en honnête. Je les kiffe tous. Mais mon préféré, c'est de loin le mexicain. De loin, de loin, de loin. Je vais goûter celui-là. Et moi, je vais vous dire, si vous allez dans le restaurant d'Ibra, vous prenez le mexicain. Pour l'instant. Attends, je goûte. Alors, par où j'attaque? Comme vous voyez... Ça, c'est quoi ça? Oignon frit, je crois. Non, c'est pas frit. Poilé. Pas mal. Pas mal, mais le mexicain pour moi, c'est le meilleur. Faites un gros croc dans chaque burger et vous me dites. Voilà, le mexicain. Ouais, le mexicain, il y a un petit truc piquant. Tu vois, il y a un petit peu un truc pimenté. Mais il pique pas beaucoup, il pique pas. Voilà, et avec l'œuf.
Moi j'aime bien le poivron dans celui-là. Vas-y, mangez. Celui-là il est vraiment sympa, mais ça reste très simple, contrairement au mexicain qui a vraiment... Le mexicain ? Ouais. On est d'accord ? C'est pour une humaine. Mexicain aussi ? Ouais. On est d'accord. Bon, pour l'instant, on a goûté du coup les burgers. Moi, j'ai du mexicain. Pedro a du mexicain. Oussama a du mexicain. Et Zaki a du mexicain. Voilà. Donc, c'est le mexicain qui l'emporte et de loin. En tout cas, pour être véridique avec vous, les burgers sont vraiment très très bons. Je kiffe. Bon, j'ai toujours été très burger. J'ai toujours été très tacos aussi. Donc, voilà. Pour vraiment me dégoûter d'un burger, faut vraiment y aller. C'est déjà arrivé hein, qu'il y a des burgers que j'aime pas. En tout cas, vraiment ils sont bien chargés, c'est super bon. Leurs frites sont super bonnes. Ouais, surtout les patates douces, c'est les patates douces, c'est différent et c'est cool. Vraiment. Donc mes frères et sœurs, on va se laisser. Moi en fait je suis très pressé, là j'avais même pas une heure pour tourner la vidéo. Je dois aller à la gare de Lyon, j'ai mon train dans quoi ? Même pas. Dans une heure pile là. Dans une heure pile, j'ai mon train, on est à combien de la gare ? 20 minutes. 20 minutes, ouais. 25 minutes. Je vais à l'hôtel chercher ma valise et après que je vais à la gare. Bref. Je vous dis juste, prenez soin de vous et de la MIFA. Le restaurant d'Ibra vraiment au top. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas le petit commentaire. Et si vous passez au restaurant d'Ibra, prenez le mexicain. Vous goûtez et vous verrez.